Bonjour à tous. En direct de Natania, Bezrat Hashem. En ce jour de Yom HaAtzmaout, sur notre terre sainte, la terre d'Israël, avec le peuple d'Israël. Quel plus beau jour, le plus beau jour de l'année. Le jour où notre Géoula a commencé. Medinat Israël. Le début de notre Géoula. On ne se rend pas compte quand on dit cette phrase. Qu'on vit la Géoula, mes amis. La Géoula est un processus qui prend du temps et qui pousse, comme il est écrit Tsema, Smichat David, c'est comme une plante qui pousse. On est en plein dedans. Les gens croient qu'on doit attendre la Géoula. On n'a plus à attendre la Géoula, on la vit. On est à l'intérieur de ce processus en étant ici en terre d'Israël. On attend juste la Géoula chez les mains. On attend que ce processus se complète, se termine. Mais on n'a plus à attendre quoi que ce soit. On est indépendant sur notre terre. Yom HaAtzmaout. Le jour de l'indépendance. C'est ça la Géoula. Il n'y a rien d'autre à attendre. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot à la page 34. En ben haolam hazé limot hamashiach et la shibud malchuyot d'Ilvan. Il n'y a aucune différence entre avant et après Mashiach. C'est une seule chose. Shibud malchuyot. La liberté, la libération des royautés étrangères. L'indépendance. Atzmaout. C'est ça la définition de la Géoula, le fait que le peuple juif retrouve sa dimension nationale, le fait que le peuple juif retrouve son état, son indépendance, son armée, son économie, sa capacité à s'autodéterminer, sa spiritualité propre, sa culture. On retrouve tout en terre d'Israël, toutes nos spécificités, toute notre identité. Impossible de retrouver ça quand on est en dehors de la terre d'Israël. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des gens qui ne comprennent pas la valeur de la terre d'Israël. Le rapport qu'on doit avoir à la terre d'Israël, la conception qu'on doit avoir de cette terre. Le plus grand maître de tous les temps qui a sur la terre d'Israël, qui nous a dévoilé sa dimension, on s'appelait le Rav. Le plus grand des rabbanim de l'époque du sionisme, du début du sionisme, qui a écrit dans son œuvre, Orot, son Kodesh HaKodashim, son chef-d'œuvre, les lumières Orot, là-bas dans l'Opéra et Kalef, dans Eretz Israël. Il écrit là-bas la première phrase qui définit le début de toute sa pensée. Eretz Israël, Enena Davar Chitsoni. La terre d'Israël n'est pas quelque chose d'extérieur, mes amis. Je ne crois pas que la terre d'Israël est externe au peuple juif. Kinyan Chitsoni Laouma. Comme si c'était une acquisition externe. Il y a des gens qui croient que la terre d'Israël, c'est juste notre maison. Pour se protéger. Pour fuir. On est là, on a fui quelque chose. Comme si on devait fuir l'antisémitisme en Europe. C'est toute la conception du sionisme laïque, du sionisme d'Herzl, qui parle d'État refus. Tout l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, 2022, il est conçu par tout le monde comme un État refuge, comme si on avait quelque chose à fuir, comme si s'il n'y avait pas eu la Shoah, on n'aurait pas eu besoin de l'État d'Israël. Cette conception est fausse. Parce que même s'il n'y avait pas eu la Shoah, malgré la Shoah, on a eu l'État d'Israël, et même s'il n'y avait pas eu la Shoah, on aurait eu besoin de revenir. On ne revient pas pour retrouver un refuge. C'est pas la bonne raison de faire l'Aliyah. On ne vient pas par sécurité. Regardez, Dieu nous dit, même ici, il nous envoie des épreuves de sécurité. On l'a vu récemment. Dans les derniers mois, on a vu des attentats terribles. Des vagues d'attentats terribles. On ne revient pas en Israël, Dieu nous dit, par sécurité. Non, mes amis. C'est pas la bonne conception. Et la terre d'Israël n'est pas un appartement pour se protéger, nous dit le Rav Kook. Ou alors est-ce que tu crois que la terre d'Israël, c'est pour la subsistance matérielle du peuple juif?
pour qu'il ait un foyer, pour qu'il ait une économie, qu'il puisse travailler, qu'il puisse... Non, mes amis, on peut avoir une meilleure parnassa en Côte-la-Arès. On peut avoir une meilleure parnassa aux États-Unis. On peut avoir une meilleure parnassa en France. Dieu nous dit en Israël, tu viens pas pour la parnassa. Alors oui, évidemment, il faut une économie forte. Il faut des conditions économiques et sociales fortes pour qu'on puisse subsister. Mais la raison essentielle de notre retour et de notre présence au Tadissa, ce n'est pas ça. Donc, nous dit l'Europe. Et là, l'Europe va beaucoup plus loin. Et nous dit « Oafilou Aruchani ». Même spirituel, ne crois pas que la cause, elle est religieuse. Tu ne reviens pas en Israël pour être plus religieux. Tout le monde croit ça. Tout le monde, j'entends tout le monde dire. On revient en Israël pour s'élever spirituellement, pour être plus religieux. Non, ne crois pas ça, parce que si à un moment donné, eh bien tu crois qu'on sera plus religieux en France, comme certains le disent, et qu'en venant en Israël, on va devenir moins religieux, alors tu n'auras plus de raison de revenir en Israël. Le Rav Kook te dit, tu dois sortir de toutes ces conceptions. Tu reviens pas en Israël pour être plus religieux. On faisait Shabbat très très bien en France. On mangeait kasher comme il fallait en France. On mettait les tefillines, on allait à la synagogue. On avait des communautés, des rabbanim extraordinaires. On était très religieux en France. On vient pas en Israël, ce n'est pas la cause première. Oui, ça nous amène à être plus religieux. Oui, ça nous amène, si Dieu veut, à avoir une économie forte. Oui, ça nous amène à avoir la sécurité. Mais tout ça, ce sont que des conséquences. Le Rav Kook dit que ce n'est pas ça la cause première, la cause essentielle. Rag Betor Emsaï la Matara, comme si ce n'était qu'un moyen pour un but, nous dit le Rav Kook. Ne crois pas que la Tadissa, c'est un moyen seulement pour un but plus élevé. Tu arrives en Israël pour quelque chose de plus. Non. Il n'y a aucune raison. Béchou Maskala Rationalit, nous dit le Rav Kook. Il n'y a aucune raison rationnelle à notre présence ici. C'est du domaine de l'irrationnel. Il n'y a aucune cause, il n'y a aucune raison. Et la terre d'Israël est un but en soi. Le fait même d'habiter ici, c'est le but. C'est ça, nous dit Eretz Israël, le Rav Kook. Il nous dit, Shou Askala Rationalit, Eretz Israël, Echativa Atzim. La terre d'Israël, la véritable conception qu'on doit avoir de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une entité essentielle, liée par un lien de vie avec le peuple d'Israël. Un lien de vie. La terre d'Israël, c'est notre neshama, c'est notre âme, c'est notre milieu naturel. On est comme des poissons dans l'eau. Si tu sors le poisson de l'eau, au bout de quelques minutes, il meurt. C'est cet idéal qu'on doit avoir en nous. C'est ce rapport-là qu'on doit avoir en nous. Quand je sors de la terre d'Israël, je dois me sentir mourir. Quand j'arrive dans une terre étrangère, je dois sentir que je suis dans une terre impure, dans une terre étrangère. Des fois, quand on va aux États-Unis, on rentre dans la synagogue et on voit le drapeau américain dans les synagogues. Non, c'est pas ça la bonne conception, nous dit David Ameller dans les Tehillim. Er Nashir Shir Adonai Be'admat Necha. Comment veux-tu que je chante et que je loue à Kadosh Baruch Hu sur une terre étrangère, nous dit dans les Tehillim David. Je ne peux même pas chanter Dieu en dehors de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est là où il y a la Shrina. C'est là où il y a la présence divine. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu ici. On est en lien direct avec Dieu. Alors, ça veut dire, mais comment on le ressent? Il n'y a pas d'expression réelle. C'est juste une terre avec des pierres et comme une autre, avec des maisons. On est à Natania, qu'est-ce que ça change que ce soit à Natania ou à Paris? Non, mes amis. La terre d'Israël, je vous dis, c'est un lien de vie essentiel avec nous. C'est comme ça qu'on doit ressentir les choses. Tout ce problème, il vient qu'on a été christianisé. On a été influencé par des pensées étrangères. Et de la Torah, la foi qui fonde la Torah depuis le Mont Sinaï, depuis le Har Sinaï, c'est de dire Toucha betocha fondriyut, yeg toucha betocha aretz. La sainteté divine s'exprime dans la matérialité. Toutes les mitzvot de la Torah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les mitzvot de la Torah sont liées à une matière. On met de la peau d'animal sur notre bras pour prier, on met des fils
Mais pourquoi j'ai besoin de mettre de la peau d'animal sur mon bras pour prier? Non, Hachem, c'est dans le cœur. Moi, je prie Hachem, j'ai pas besoin de mettre des téfilines. J'ai pas besoin de mettre, d'aller dans la soukha et d'agiter le loulav. Toutes les mitzvot qu'on fait n'ont aucun sens rationnel en vérité. Le séparer le lait et la viande, séparer le lin et la laine, construire un bet amigdash, faire des korbanot, tout ça, ça n'a aucun sens sur ce que des actes matériels. Le christianisme est venu, il a dit, mais pourquoi vous circoncisez la chair? Pourquoi faire la brit mila? Le plus important, c'est la circoncision du cœur. C'est l'intérieur, c'est le cœur, c'est les midotes. Non, ça c'est le christianisme, mes amis. Bien sûr que le cœur, c'est très important. Bien sûr que les midotes, c'est très important. On dit, Tereheret Katma la Torah. On dit que la morale et le cœur et le comportement humain, c'est la base. Tu peux même pas commencer à parler de Torah si tu n'as pas ça. Mais ce n'est pas la Torah elle-même. On ne fait pas la Torah par morale. La Torah, ce sont des actes, des mitzvot, des actes irrationnels pour amener la sainteté, la kedusha d'Hachem dans ce monde matériel. Et donc, j'ai pas besoin d'explications rationnelles. Si je mets mes téphilines sur mon bras, c'est Dieu qui m'a demandé de les faire. Pareil pour habiter la terre d'Israël, il y en a qui disent oui, mais c'est juste une terre, ça ne va rien changer, si je suis, ça ne va pas me rendre forcément meilleur. Mais ne rentre pas dans cette logique. Le fait même d'habiter en terre d'Israël, c'est ça, ça amène la kedusha dans le monde. Un jour, Rabbi Nathan, il a été voir Rabbi Nachman, c'est raconté dans le Chayei Moharan. Il a été lui demander parce que Rabbi Nachman avait exprimé l'envie de venir en terre d'Israël. Il avait dit à son élève, je veux venir absolument goûter la sainteté de la terre d'Israël. Et Rabbi Nathan, il ne comprenait pas, il disait, mais toi tu es un très grand sadique, tu habites en Ukraine, tu es un immense, tu n'as pas, qu'est-ce que ça va changer que tu vas sur une terre particulière? Dieu n'est pas géographique. Il n'a pas compris. Rabbi Nathan, mais quelle est ta kavana quand tu dis je vais aller en terre d'Israël? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Nachman? Il a dit, mais je ne vais rien chercher. Juste d'avoir une maison et d'habiter là-bas, pas plus. Il n'y a pas de but supérieur. Le fait même d'avoir une maison, d'habiter ici, c'est ça le but. C'est ça le but, a répondu Rabbi Nachman. T'as pas compris la kedusha qu'il y a dans les pierres ici, dans les arbres, dans la matière. Les tzadikim, c'est raconté dans la Gemara. Les tzadikim, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils s'agenouillaient et ils embrassaient la terre. D'où le mina qu'on a d'embrasser la terre. Ils se roulaient dans la poussière de la terre pour s'imprégner de la doucha de la terre elle-même. La terre, elle a une doucha, il n'y a pas de raison. Je ne viens pas ici pour être plus religieux, je ne viens pas ici pour être plus en sécurité, je ne viens pas ici. Tout ça, ce sont des raisons externes. La raison essentielle, c'est de chercher le lien avec Dieu et avec la doucha de la terre elle-même. C'est ça le but de la terre d'Israël. Et ce problème-là, il nous poursuit jusqu'à aujourd'hui dans le monde politique. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je conçois, comme le sionisme laïque le veut, que la terre d'Israël est un refuge et que c'est une maison pour me protéger, pour avoir une armée, et que ça ne va pas plus loin que ça, que mes considérations vont être uniquement sécuritaires, alors nous dit le Rav Kook, tu vas être en problème à ce moment-là, parce que si demain tu as un voisin et que tu habites un appartement avec 7 pièces, et que ton voisin il vient et il veut te faire la guerre et il veut te prendre une pièce, il veut absolument la 7e pièce de ton appartement. Alors si tu conçois que la terre d'Israël c'est un appartement, tu vas rentrer dans des considérations de sécurité. Tu vas dire, écoute, j'ai un voisin qui me fait la guerre, peut-être vaut mieux que je partage, vaut mieux que je lui donne une pièce, vaut mieux que je lui donne une chambre. Vaut mieux que je sois en sécurité et tranquille avec 6 pièces plutôt que de faire la guerre constante pour 7 pièces. Puisque ma considération, c'est juste de vivre tranquille et d'être en sécurité. Donc 6 pièces, ça me suffit autant que 7 pièces. Mais par contre, si tu considères la terre d'Israël comme un lien de vie, que chaque centimètre de cette terre, c'est ton âme, on parle à la terre d'Israël, il reprend ça des prophètes, à notre femme. C'est comme un mariage maintenant. Quand j'arrive en terre d'Israël, je me marie avec la terre. C'est notre femme. Est-ce que une seule seconde, ça va te passer à l'esprit de dire, bah écoute, vu que mon voisin il me fait la guerre et il veut ma femme, bien je vais lui partager ma femme. Je vais lui donner juste le mercredi. Et moi, les 6 autres jours de la semaine, comme ça je serai tranquille. Il aura ma femme pendant un jour. Et moi je l'aurai pendant 6 jours. Est-ce que quelqu'un peut penser ça?
beaucoup partager sa femme, même une seule seconde, pour être tranquille, pour être en sécurité. Mais c'est comme ça qu'on doit voir la terre d'Israël. C'est ça le problème, pourquoi nos dirigeants, ils n'ont pas encore compris. Ils sont prêts à donner le Harabaït, ils sont prêts à donner la Judée-Samarie, ils sont prêts à faire le Gush Katif, à donner Gaza. Mais en soi, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas cette conception simple de la terre, alors évidemment, c'est logique, c'est humain. Tous les experts militaires, ils ont dit que le Gush Katif allait être bon pour la sécurité d'Israël. Et ils avaient raison. Ils avaient raison parce que dans la logique humaine rationnelle de juste concevoir la terre d'Israël comme une autre terre et d'avoir un état d'Israël comme un autre état, alors oui, normalement si je donne une partie de ma terre au voisin qui veut ma terre, c'est censé m'amener la sécurité sur l'autre partie que j'ai. Et donc c'est normal que tous les experts militaires ont donné cet avis parce que eux ils pensent au niveau militaire, ils pensent au niveau politique, ils prennent pas en compte Dieu, ils prennent pas en compte le projet divin qu'il y a derrière cet état. Donc dans la logique, ils avaient raison de faire le Gush Katif. Le seul élément qu'ils ont oublié, c'est Dieu. C'est que cette terre, elle a quelque chose d'irrationnel. Cette terre, elle a quelque chose d'au-delà. Le peuple d'Israël, il a quelque chose d'au-delà. Le peuple d'Israël, il a quelque chose d'irrationnel en lui. Ça ne peut pas marcher. Toutes les lois logiques qui marcheraient avec les autres peuples, avec ce peuple-là, ça ne peut pas marcher. Donc quand on va donner une partie de la terre, ça va se retourner contre nous. Ça va être utilisé contre nous pour nous détruire encore plus. Il nous faut des dirigeants qui accèdent maintenant à cette nouvelle dimension que leur apprend pas. Il ne faut pas que ce soit juste dans les synagogues. Il faut maintenant qu'au niveau politique, il faut qu'on ait des dirigeants qui amènent cette vision. Parce qu'on n'a aucune raison pour se battre pour le Harabaït. On n'a rien à chercher là-bas si ce n'est la relation profonde avec le divin. On n'a rien à chercher là-bas. Le Harabaït, c'est uniquement si tu vas te battre pour le Harabaït, si et uniquement si tu as compris cette dimension de la terre d'Israël. Et moi, je comprends les gens qui ne se battent pas pour ça et qui sont prêts à lâcher. Si tu vis en terre d'Israël juste parce que tu as fui, par exemple. Il y avait des pogroms en Ukraine, il y avait des pogroms en Russie, il y avait des pogroms en France, il y a l'antisémitisme. Donc il fallait fuir, mais je suis là comme si, et je vis ma vie comme si j'étais à Paris, il n'y a aucune différence. Donc moi je comprends si on est dans cette conception que j'ai rien à chercher à Hebron, j'ai rien à chercher à Ashrem, au contraire, donnez-leur la une partie de la terre et nous on sera tranquille à Tel Aviv, à Natania et à Ashdod. Donc en vérité, cette marloquette, elle s'enracine dans un problème très profond qu'on n'a pas encore compris. Le véritable lien et notre véritable raison sur cette et notre présence sur cette terre. Et c'est ça Yom HaAtzmaout. Yom HaAtzmaout, c'est un grand jour où Dieu il a décidé de nous ramener sur notre terre. C'est un grand jour. C'est un jour avec une dimension particulière qui doit nous faire réfléchir, de nous faire remettre en question, d'essayer d'arriver à cette compréhension la plus profonde de notre lien avec cette terre, de notre raison, pourquoi on est ici, qu'est-ce qui nous emmène à être ici. Il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi, quel est mon rôle, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut construire réellement ici comme projet. Yom HaAtzmaout, c'est tout ça. Alors oui, c'est le début de notre Géoula, comme le dit Baruch HaShem. Évidemment, c'est le début de notre Géoula, parce qu'HaShem il a utilisé toutes ces raisons extérieures pour nous ramener l'antisémitisme, la faim, le fait qu'on nous chasse, nous pourchasse. Alors oui, malheureusement, comme la Gemara dit, imlobe mort à Zbekoa. Tout ça, c'est pas fait par notre raison profonde, par notre cerveau. Alors ça, c'est fait par la force, malheureusement. HaShem, il va nous ramener ici, quoi qu'il arrive. Comme on le voit, Baruch HaShem, j'ai vu les dernières statistiques. On est pratiquement la majorité du peuple juif sur notre terre aujourd'hui. Pratiquement, je crois qu'on est arrivé à 45-46%. On est pratiquement à 50% d'ici 2030, on sera la majorité. Donc HaShem il a utilisé toutes ces raisons externes pour nous ramener. Mais maintenant il faut qu'on comprenne la raison profonde, il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance, il faut qu'on passe à l'étape suprême. Il faut qu'on se réveille, Ezrat HaShem. Il faut que chaque juif prenne ses responsabilités. Il faut que chaque juif, même ceux qui habitent en terre d'Israël, réveille ceux qui sont encore en dehors de la terre d'Israël. Il n'y a aucune raison aujourd'hui d'être en dehors de la terre d'Israël. Oui, il y a des difficultés, oui, ça se prépare. Oui, ça prend du temps. Oui, il y a un processus pour chacun. Oui, il y a un zman pour chacun.
Mais il ne faut pas qu'on oublie le but commun à tous. On a un but commun à tous en tant que juifs. Et c'est ça Yom HaAtzmaout. C'est pour ça que Yom HaAtzmaout il a quelque chose de saint. C'est pas un, comme certains veulent nous faire le croire, un jour banal où il n'y a rien de spécial. Yom HaAtzmaout c'est un jour saint. C'est un chag. C'est un moed, c'est une fête. On ne fait pas ta chadoul. On ne fait pas la prière de deuil. Yom HaAtzmaout on se rase la barbe. C'est le seul jour pendant le Homer, à part la Gomer, on peut se raser la barbe. Parce que c'est un jour de fête. Il n'y a aucune raison de garder ce deuil. Même ces coutumes de deuil qu'on a pendant le Homer, elles viennent pour une raison qui aujourd'hui n'existe plus réellement. Pourquoi on a ces coutumes de deuil jusqu'à l'Agba Homer? Par rapport à ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont été saccagés par la Magepa. En vérité, l'histoire nous raconte, la vraie histoire dans le Talmud de Jérusalem, que les élèves de Rabbi Akiva étaient les soldats de l'armée de Bar Korba. En vérité, ils ne sont pas morts d'une épidémie. Ça, c'est l'histoire pour les enfants. La véritable histoire, c'est que c'était des guerriers nationalistes qui sont rentrés, qui sont enrôlés dans l'armée de Rabbi Akiva pour sauver et combattre pour la terre d'Israël. Malheureusement, ils sont tous morts à la guerre dans l'armée de Bar Korba. Et ça a été la défaite nationale des Romains sur le peuple juif. Et ça a été le début de notre exil. C'est pour ça que les Chachamim ont instauré des voies de deuil. Mais aujourd'hui que notre dimension nationale est reconstruite, partiellement en tout cas, le jour de Matzmaout, on n'a plus besoin de garder ces jours de deuil. Donc il n'y a aucune marquette, on peut se raser la barbe, on peut chanter, on peut écouter de la musique, on peut danser. Évidemment, Yom HaAtzmaout, c'est un jour très très grand. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de prendre cette force de Yom HaAtzmaout, se connecter à cette force et de l'étendre. Ah, Michael, c'est exactement de quoi on parle. J'organise quelque chose à Jérusalem, tu m'appelles. Les Ratachem, Géoula Chelema. Ça va, tout va bien? C'est exactement ça, mes amis. Géoula Chelema, maintenant c'est ça, on doit prendre cette force de Yom HaAtzmaout. On doit se connecter à cette dimension et arriver à la Géoula Chelema, c'est-à-dire à la complétude de ce processus qui existe déjà. On doit faire se battre pour se libérer de toutes les institutions en Israël qui veulent nous garder dans une emprise de galoute. On doit se battre pour faire la réforme de la Cour suprême, faire tomber la Cour suprême qui veut garder cet état laïque. Parce que c'est ça le véritable combat, ne vous trompez pas. C'est pas pour les Palestiniens, c'est pas pour eux, ils en ont rien à faire des Palestiniens. Ils utilisent la cause palestinienne, soi-disant, que eux-mêmes ont créée pour empêcher le processus de la Géoula, pour empêcher le processus de la divinisation de cet État, pour empêcher le processus de la thoraïsation de cet État. C'est ça le véritable combat, tout est là. C'est le plus profond, c'est le point essentiel, c'est Dieu. Est-ce que je veux Dieu dans ma vie ou est-ce que je ne veux pas Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu, cet État, c'est un État divin ou c'est un État normal comme les autres? Il est là tout le point essentiel. Donc nous, notre combat, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est de prendre cette force et de la faire traduire au niveau politique en faisant cette transformation, en faisant tomber toutes ces institutions. Un, la réforme de la Cour suprême, la réforme de la Pratitoute, tous ces gens-là qui veulent, ces minorités et qui veulent garder les Israël pour leur propre intérêt et détruire tous ceux qui veulent le bien du clan d'Israël et du monde entier, parce que à travers la reconstruction de la nation d'Israël, c'est toute la rechute, toute l'humanité qui retrouve sa dimension. Comme il a écrit Dieu à Abraham, il a dit Benidrechu Becha kol mishpechot ha'adama, et je ferai bénir par toi toutes les familles de la terre. L'État d'Israël, c'est le véritable canal de l'humanisme. Toutes ces histoires d'humanisme à la gauche, c'est du faux humanisme. Le véritable humanisme ne passe que par Dieu et par la nation d'Israël. Le nationalisme israélien, ce n'est pas un nationalisme pour nous. C'est un nationalisme pour l'humanité tout entière. Or la goïm, toute l'humanité va profiter. Et les Arabes eux-mêmes, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Les Arabes eux-mêmes vont profiter de la nation d'Israël. En vérité, quand les Arabes combattent l'État d'Israël, ils se combattent eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte que l'État d'Israël, ça a été créé pour eux aussi. C'est pas que pour les Juifs, peut-être ça, c'est pour le monde entier. Le Mashiach, il va parler à toutes les nations du monde. Dit David Ameler, ta nation, ta Géoula, c'est pour toutes les nations.
toutes les nations du monde vont profiter de la Géoula. Les Arabes inclus. Les Arabes, on ne se rend pas compte, ils se font manipuler par des thèses complètement mensongères. Eux-mêmes seront libérés de ces thèses. Et toute l'humanité profitera de ça. Ça va horrible. C'est Ezrat Hashem, les amis. Je vous souhaite à tous, Chag Sameach, que ceux qui ne sont pas encore en Eretz Israël nous rejoignent. Que Dieu bénisse tout le monde, donne la force à chacun de prendre cette décision lourde. Donne la force à chacun et ouvre les portes à chacun de nous rejoindre et de retrouver sa place naturelle en Eretz Israël. Et donne les forces au peuple juif de s'unir, d'arriver à cette compréhension et de combattre pour effacer tous ceux qui nous veulent du mal, effacer tous ceux qui sont opposés à ce projet, Bezrat Hashem. Et unir autour de ce projet toute l'humanité tout entière derrière nous. Amen Kenny Ratson, Chag Sameach les Koulam, Yom Ha'atzmaout Sameach.